Solanda, Manaka ya pona Congo, partout dans le monde, vous avez éparpillé, bisika banso, kasi, mboka Congo, eza ko sangisa biso, pou eza patrimoine, na biso commun, torlobe la Congo, moko na lelo, na bande komisa, to baza déjà, ko pousa na plateau na biso, kasi, boye baki mama, e di kambo, eza li bongo processus électoral, en RDC, est-ce que le glissement se dessine? Il y a des ceux qui pensent que, babandi de ako senga, transition sans Félix Tshisekedi, le président actuel, à la veille à l'élection en 2023. Est-ce que Bandi sérieux, Ezali Koloba, que l'élection est causée à la tête dans le délai constitutionnel, alors que Seni a acquis déjà enrôlement en amont à décembre, Seni a acquis biso loi électorale, et on se dit ça les makassi dans la opposition. Bazon di mate que élection kozala. Pourquoi ba indice yango ezanini toko tuna mituna toko zobiano nangambu yaba debater oba kozala na tongo lelo na pona Congo poto lobela di kambeta di bongo République démocratique du Congo. Enfin, conseil de nakati conseil de sécurité les États-Unis d'Amérique ba Sengi clairement na Rwanda batika ko soutenir ba groupe armé ya M23 et Zali. Est-ce que Zali victoire diplomatique? Le fait pour eux de reconnaître que Rwanda nde azali na sima makambo pa Sengi clairement atika ko tungisa mboka Congo et ko zala espoir pour Nabiso. Est-ce que Zali pas mon koto chanter victoire? Ba question na to ko yanolango na kati émission msa mkola lelo. Est-ce que to zui déjà ba distance Nabiso na Union européenne et que toke nanga moya reçu et zo l'Obama déjà na kati ya opinion nini penze zo salema au fond au-delà ya o ezali ko salema kuna na front wa publicika ba far d'essai o tozali ko pesa toujours makasi bazali ko bunda pour na ko battre la intégrité territoriale to ko lobela yango na kati ya émission na biso moko na lelo pour na Congo ya lelo tozala nde ko brino mimbenga azali bongo moko ya li sanga politique il y a nouvel élan nazoi déjà ko senga ye a pousana mo na mboka mboti na yo mboti mingi mama Naomi merci pour na invitation et puis tout pessi ba kongoman ba so mboti bisika bazali et puis loko moko ba kino ba ko benga mi kolo mama Naomi ba lobi mo lobeli mboka lobela na biso makambo a kura oyo boye parce que bisika nazo vanda kuna sali 2 mois kouve sa raté courir à côté. Donc chez mis on a là au bar passé on a fait on dirait tout ça na faire à Makala. Faire à Makala on dirait tout ça na Bokungu Ikila. Là bas 1959 pour tout côté na indépendance. Tout ça mis tout est-ce que tout ça na qui ça ça ou la belle ou bien tout ça na période et antiquité. Alors tout ça mis tout na ba cambi à Sinel. Ba me ka un peu ko résoudre ba na mafsina. Non seulement ba na mafsina mais ba me ka ko résoudre problème ya l'otili qui est commis comme le col à wolo na qui ça ça parce que bande ko belé bazo benga bazo banon de ko tout ça na besoin tout dans des missions na bino mais pour réalité alors to ndima to ko sepela que non DG oyo ya Sinel o ba auto ka ba ko aye bisa biso ba cabine parce que na mapela na banda ba démarche na ka a na bureau na bango awa boy cabine ba mapela ba détourner yango ba cabine na ba câble o ba somaki pona ko tia l'otili ki na ba bisika nyonso ya ki ça ça munde pela pelele mwinda et puis, non seulement Makamoya Mwinda, mais Nzela ya Rai, eux qui n'ont pas d'aéroport, eux qui ont été Kingasa, qui ont été en gare centrale, maman, Naomi, na Zoe Bisabino, Awa Boye, na Loba, Makamoua, na Bemisu et Bele, na Mona, Monsieur Gentil, Mobila Kenana, Honorable Junior Nebalemba. Depuis, on a un Chinois, Bazo Bango, Tire le Oye Boye, Nena Zoe Bisabino, Awa Boye, Solo Kitina Mapela. Nzela ya très et koufi benza donc non zelo komi ko kunda mai mabinde arai alors na zomi tuna musala ba député provincial eza nini musala argentini ngobila eza nini musala ay mongo monsieur Félix na ministre de transport parce que niveau bana ma bana changu bazo beta makolo mama Naomi na lobi vo mena zo na pa na biso na mbute na ba musala ngata to le kake non na vivre na kisasa ba comédie to vivre au passé comme na kisasa o ezangi loko mais banjele mo ebele etonga mina kisasa c'est que bino ezaka exception mama Naomi mukwa na zaki na mission na ipen na tamboli na ipen jere tonga mita
Nzela moko bandai ko sala côté université catholique. Soki ki mwenza. Mbule beti lendi awa. Au moins makambo sali nzela wana. Nzela kufe bukani. Ezaka nzela o boue boulevard du 30 juin. Oyo mozu tout temps azaka premier ministre. Tango afungula ka ba chantier. Kaka nzela nde musunga biso. Nzela batongi ba nzela place ni. Mukwa na kenaki côté ya ngomba o boue ba pasteur ba Denis Lesba kena osambela na na bibwa kuna. Tala be érosion. Donc, Kinshasa est ton amité. Kinshasa est ton amité. Il y a un moment où nous avons la politique, au mission de Zolou Kabouchi en mort d'ici 2023. Il faut que ça soit extension que l'on voit là, Kinshasa, Awaboy, qu'on ramène à Mounamanoukou. Totongi Banda Kwa Sika, Totongi Banzela, Totongi Bazando, Aminene, Bamol, Nenez, Abambo, Kwa Eza développé parce que nous sommes dans un pays sous-pauvre. Tout le monde n'a pas de pays pauvre. Il faut que ça soit extension que l'on voit là, par institution, ça a Nagombi. Parce que nous avons la République de Kinshasa. Na capitale à Gombe. Différence à Kayangwana. Capitale à Gombe, mais si tu as un confrère, il y a un monde à la Tongo, ceux qui sont à Massina, à Kingasa, à Maloukou, à Nini, à la ligne 11. Côté européen, tu vas voir dans le côté de Nzela et à Congo, à la ligne 11, parce que nous sommes centralisés à Gombe. Il y a un monde qui est centralisé à Gombe. Il faut que ça soit extension à Gombe, côté de Nzela, côté de Maloukou, dans le espace vert, et à ce moment-là, il y a une situation autre, ça n'a pas oublié. Et que vous allez un peu déclencher. Très bien, merci. Qui chasse depuis l'époque coloniale, tu le haut et le niveau, il va raté. Au moment où on a besoin de tourner 400 millions, 500 millions. Mais si tu as un autre qui est un banzel, tu as 500 millions. Et que tu as un banzel et puis tu as l'assainissement. Très bien, tout ça. Malheureusement, tu as besoin de diriger Bissou Maman Naomi. Tu es capable de détourner 800 millions pour un intérêt à groupe à Batou. Mais tu as la moukolo, tu as le dit. Ah, tu as un pouce. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. N'est pas raison. Très bien. Il ne faut pas se mettre au travail. Merci, ton zon. Il ne faut pas se mettre au travail. Il ne faut pas se mettre au travail. Il ne faut pas se mettre au travail. Il ne Baye nanda kuwa non de copino le bela biso makambu oyo ba to basali ba inondation ba perdre biloko na bango tant nous on sera ba image on la Belgique on la Nigeria est-ce que biso zamba tous amboka moko tous deux pays différents c'est à nous maintenant ya koluka politique sur le plan urbanistique kota la kelon na période oyo boye ba ka niveau za boucher qu'est-ce que nous devons faire très bien tous zongela yo tous ande ko Jano le PP naye maître ndeko ya FCC on a zobenga déjà à rejoindre biso na plateau moi merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Oui, c'est normal. Et ça, indépendamment de ma volonté, on a tapé l'émission. Malheureusement, on a vu que ça, ceux qui m'ont invité à Mouké, en tout cas, et nous sommes ici, on m'a perturbé. Ce qui fait que nous sommes même à la base, il y a une émission en retard, mais en tout cas, l'émission par rapport à l'état. J'espère que Bino Bozo s'est préparé pour la réaction, Boza pour dialoguer. J'espère. Non, mais madame, Oebi Pona Bisso, d'abord, hein, les élections, elles ont obligation constitutionnelle. Les élections, elles ont été à propos, y a, comment il s'appelle, le ministre ici, votre ministre de la communication, Patrick Mouyaya. Patrick Mouyaya dit que nous avons une élection, c'est une question, il y a conviction. Or, pour nous, élection, elles ont des constitutionnels. Donc, c'est une obligation pour le gouvernant. Il y a qu'on s'est préparé, il y a qu'on peut s'assainir, bah moyen nécessaire de sorte que non, en 2023, tout qui est dans l'élection. Parce que ce qui est dans l'élection, madame, il y a pas que non, en face de nous, tout ça, bah tout ça, pouvoir aller haut, bah c'est là qu'il y a une opposition hier. Vous voyez, bah qui discours, bah moi, à l'époque, il y a Kabila. Et c'est là qu'il y a ni par rapport au cas de glissement. Donc, bah ça, il y a un discours, moi, tellement méchant par rapport au régime de Kabila. Alors, nous, étant opposition, nous, étant force politique, tout ça qu'on s'est dit, bango, il faut bah élection. Parce qu'il y a un bon oh, tout le monde a un dialogue. Et en plus, quel dialogue, madame? Ok, donc tout ça, le dialogue, n'a pas pouvoir en place. Oh, tout ça, là, qui est dans la coalition, FCC cache. Bon, là, qui est les FCC, là, qui est victime. Aux hommes, il y a une accusation par le régime, il y a tout, il y a un négociateur de tout le monde. Alors, que non, c'est les FCC qui bloque. Oh, en réalité, c'est là qui est dans la dit. Il y a un peu de temps, que non, tout le monde, bah, électeur, bah, dialogue. Tout ça, on a besoin d'élection. Mais, bah, élection, c'est quoi, il y a malade, madame? Il ne faut pas que l'élection soit au Kinango avec bureau ya Kadima, avec bureau ya Banimate ya Koukosone. C'est là où il y a les problèmes. Donc, tout ça, on a posé l'élection, on a crédible.
Ok, non, on a gagné, a gagné. Mais le fait que Biro Kadima, Nyon Subozoloba, Natotskan, Natan Mouké, une année presque de deux mois. Une chose et son contraire. Non, madame, s'il vous plaît, vous savez, s'il y a la volonté politique, pour nous remplacer le consensus autour de la procédure électorale, et que vous avez belété. Et que vous avez belété. N'importe quoi, dans l'exemple, quand beaucoup. Et c'est là qui loi électorale. Dans l'Assemblée nationale, l'opposition politique, nous les FCC, tout le monde qui est là, tout le monde qui participe à l'élaboration de la loi, et la FCC, et la même bande de la Mouka. La Mouka, il y a Martin Folou. Il y a eu des députés consensuels, oh, bah, boy, qui m'a dit l'hémicycle, parce que, bah, là, il faut large consensus. De sorte que non, à partir même de la loi électorale, il fallait tout le monde animer. Mais tel est ce que les mabé, il y a une union sacrée. Il y a une vie qui est la politique, il y a forcing, il y a imposé à tout prix leur dictat avant la carte de position électorale. C'est comme ça que non, loi électorale, c'est là qui est élaboré à l'absence de l'opposition. C'est comme ça que nous disons, avec la volonté politique, parce que là, madame, tout le monde est de base. Et c'est le même les partenaires traditionnels à Congo. Il faut minimum. Tout ça, la consensus. Pour nous inviter ma contestation, madame, c'est plus important. Ce qui est en côté, il y a pas que dans 2023, tout ça, vous faites un boulevard à contestation. Parce que l'élection, c'est ce que tu sais, dit le mot. Dans 2018, ils allaient contester. Vous voyez que tu le matin, il faut le c'est lui le président élu. Alors, pour nous inviter ma discours, ou en encore, dans 2023, il y a lié que non, tout coutana, tout solo là, au sommet, ne fût-ce qu'avec la volonté, dans une ou deux semaines, on change, c'est fini, madame. Ce que tu revois la loi électorale, le niveau est assez, il y a l'Assemblée nationale. Ceux qui t'ont changé, l'animateur est assez ni. Parce que quelque chose, ça pose un problème. L'animateur est assez ni, ça va. Si ce matin, on va débaucher, on va débaucher. Autant dans la position politique, dé. Parce que bon niveau de bisou, il y a politique. Il faut toujours jouer. Toi, tu as compétition, dans la compétition. Oh, tu es déjà arbitre. Non, tu as déjà acquis un cas politique. C'est comme ça que non, tout ça, qu'on a intérêt à la position de la mission que non. Il faut qu'on se suive et ça les mains. Très bien. Merci Mingindeko, Jeannot Lompépé. Tolanda qui bise son interview. Moi, Namboka, Martin Fayou, la Pesaki, Nabandeko, la France 24, la PRFI. Namalo Banaye, à l'objet clairement que ce qui est élection et ça les mettait dans le délai constitutionnel, il faut que le président de la République a long, Bapesa, Bokondi, na président ya Sénat, topé na Moutoumoka Kozala naître pour que y ait organisé l'élection dans les 4 mois qui suivent. Alors, Ndeko, Brino Mimbenga, Brino Naba y a décidé Bozara sous des mèches. Mais sur ces points-là, quelle est votre réaction? Ndeko, maman Nangaï, Naomi, Nagina Bongsilo, remettre Jeannot Lompépé, Sali, Gaf, Awa Bouikoul Bakedon. La mouka est Martin Fayoulou. Non, la mouka est Martin Fayoulou. La mouka est état d'esprit. La mouka est peuple. La mouka est Brino. La mouka est Mouzito. Y a Blacha Mongomba. La mouka est peuple congolais. On le boye. Bah tout ça n'a qu'un triomphal. Pour la koukoui, ça m'a calé, m'a calé. Candidat n'y a pas de boye Kabila pour présenter mission en 2018. Tant que Jeannot Lompépé, Martin Fayoulou, il est le Mouka. C'est une provocation. Il y a déjà un bloc anti-patriotique. Donc, à côté là, M. Martin Fayoulou, Azali, président, il a décidé de faire un bloc. Il y a parce que il y a un bloc. Il y a un bloc de résistance. Parce que en 2018, il y a un peuple congolais. Alors, toujours ça, l'effort que non. En 2023, il faut élection et salement. Avec ou Denis Kadima. Ou ça, Denis Kadima. Nouvelle est là, il y a Mouzito. Brino Mimbenga, Naba Nanyo Swachangu, tu as un bloc. Et puis, il y a un bloc de 2018. Avec machine ou sa machine, nous allons battre Félix. Parce que Bilan est Moutou et Koko et sa Félix est Makale Makale. Ah bon? Alors que la des opposants, la plateau, la Razana, nous n'accordons pas. Mais, bonjour Félix, on va battre Félix, nanan. Maintenant, Mouzito. Mouzito qui est notre candidat potentiel. Bruno Mibenga va gérer cette ville de Kinshasa. Aux hommes, on a une inondation par-ci, par-là, comme état gouverneur. Mais c'est dans la logique, il y a boycottage et élection. On ira avec les élections. Avec machine ou sa machine, avec cette CENI, on ira aux élections.
Avec beaucoup de travaux comme ça, on a un intérêt. Mais c'est une logique qui était qu'on a Félix a organisé l'élection, t'es président au Sénat, a organisé l'élection. Non, nous nous sommes prêts. Élection, il faut des lettres constitutionnelles. Et ça la respecter. On le boit, tu vas permettre de glissement. Donc, ce que Félix a mis sur le glissement, donc il ne sera pas là. Ce qui va organiser l'élection à Colomboa, tout ça, Mounisa Félix était comme étant individu, mais tout ça, Mounisa, un système. Alors que Mibeko est Sengi à Tikara Team, Kolba Koeli, le président Moussou à cause à l'investir. Mibeko Wana est sa provocation. On m'a dit l'article 70. Moi, je pense que non, mais Mibeko Nabiso, il dépense, parce que c'est trompé, une adresse ou non, le président reste à fonction. Mais Mibeko Sani, article 64, les alliés. Un lobby qui n'a pas place à la pifou à côté, mais la moutouille sont qu'on a pouvoir dans Nenga Sandrouma. Ou bien dans Nenga Zoumoulouke. Mais si techniquement parlant, élection sérénité dans 2023, qu'est-ce qui va se passer? Maman, article Moussousou, article Mitano. Il y a Mitano, on a dit qu'on a mis sur article 5. Et l'obinin, souveraineté, ils ont revenu dans le peuple congolais. Félix Aboya pour organiser l'élection. Le même jour, il y a un ami Simino que M. Félix, dans le gouvernement, il y a papa, il y a un peu de Lukamba. Dans le gouvernement, il y a M. Sama Lukonde. Il y a un temps, il y a disposé de moyens pour que nous, en 2023, nous kende na maponami. Donc, élection congolais, peuple congolais a souffri dans le régime Oyoboye. Il y a un bon pendant 5 ans, sans l'otilik, sans transport, sans moussala. Nzala, Bounagana, 136 jours, Yango, Oyoboye, situation à Kwamutu. Désastreuse, Osomo Nakeno, Maman Nagai. Je dis que, toqué l'élection, Wana, toqué la peuple nationale. Donc, on rejoint Maloba. Donc, il y a le président Martin Fayoulou. Je ne rejoins pas Maloba Martin Fayoulou. Parce que Martin Fayoulou, que non, ce Félix a organisé l'élection, c'est Sénat qui a organisé. Alors, ce que Félix a dans la mesure d'organiser l'élection, c'est le Sénat qui a organisé ma campagne. 4 mois après, donc, Salom Ibeko. Non, Maman Nagai. Donc, ce que Félix a empêché, il faut que tu manges la macambo au bout. Tout ce que tu as peuple na boulouille. Ce que Félix a empêché, ou bien la condition, il y a malade. Là maintenant, le président du Sénat a congéré Mboka pendant un temps. Mais Félix a zamboui. Azota Mboka va voyager par-ci, par-là, il y a un aéroport, 4 heures du temps à Londres. Félix est vivant, il va organiser l'élection. Là, c'est de la contradiction. Bisso na katia famille politique na bisso nouvelle là tout ça ko bongama pour na ma ponami il y a 2023. Très bien. Alors, merci. Que non, Seigneur, boy, merci, merci beaucoup. Ils sont là pour ça. Mais merci beaucoup. C'est pas ngoba kende to kende tina ma élection 2023. Merci de combiner. 2023 approche maître l'OMPP. La CENI a zo rassuré bisso que élection ils allent na 2023. La kibisso calendrier électoral mois prochain. La kibisso a bandi déjà pour sa sensibilisation pour l'enrôlement. Mais bino bande ko position aux mona rendre Flomo et Zanakati. Ce qui vraiment glissement et Zali. Dernier, tu as interprété article 70 alinéa de la Constitution. Binomoron de Bobanda Europe, ça veut dire FCC. Lélo est quoi, Libino? Non, mais madame, oui, le contexte, il y a interprétation article 70, c'est différent dans le contexte de Zanamoulilo. C'est totalement différent. Pourquoi? Ce qu'on a les stratégies, comment il s'appelle? Alors, je ne vais pas entrer dans le débat sur le plan interne, mais ce qu'il est vrai, même à travers l'émission, il y a une position, il y a au prince Pengi. Alors, moi, je suis un peu plus dans la structure, même si ça ne m'engage pas, mais il y a une question. Mais ce qu'on a fait, il y a question, c'est le problème, madame. Les élections, oui, mais tu as la volonté qui pour bazar à pouvoir en place les amis. Oui, mais c'est toujours important de rappeler Baïmbo, Kabaye, Baba Congolais, que non. Tout le monde est qui doit. D'abord, le président s'est mis au monde dans le cadre de Mawana. Le cadre de Mawana est conscient que non. Il est là. À Zalagafoui, il y a contestation. Il est conscient que y a un certain Congolais qui a dit confiance. Malgré que la Wana force, pour que l'élection soit une élection. Mais il est conscient que non. L'élection est comme ça le matin. Alors, comment est-ce que la stratégie, mon co
y a comme ça là-bas sur à l'opinion. Il y a comme créer. Moi, je peux vous lire. Oui, même bah comment il s'appelle? Bah propos il y a Kazadi. Kazadi, bien au gouvernement, parce qu'il a 400 millions de dollars. Mais la CENI, ce n'est pas le cas. C'est les gens qui ont 400 millions en été. On se met déjà pour la confusion ces animaux. Il y a quand même le biboué. Élection, il faut ça les ma parce que c'est prévu dans la constitution. Mais il faut élection à Malamou. C'est là où on n'est pas d'accord par rapport à Vandekoya. Il y a comment il s'appelle la nouvelle est là. Pourquoi? Na biro na loi ya CENI, la loi si la CENI l'organique. Et puis si ma quota politique. Tozan la président ou autre dans la société civile, tozan la d'autres ba animateur ya kati ya CENI, ba autre kana ba composante politique. Et na kati ya le ba ki boye non, ba parti ya sa majorité ya opposition. Na kati ya parlement, ba parti on ne bango ba tagi na ndingisa, ya koti na ba délégué. Na kati ya CENI, même na biro ya plénière ya CENI. Mais tant la suko ba ya nyo sanga ba salini. Quand ba tagi na besoin, n'est-ce pas? Ya ko torpiller déjà police électorale à travers ba animateur ya CENI. Ba keiko débauché. Ba obaza na opposition te. Ba somi bango, ale ba imposé bango, ba ti bango na kati ya biro ya CENI. C'est là où il y a les problèmes des mains profonds. Quelqu'un comme Didi Manara, Motoloko la AG Matembo, il y avait même un autre député là, il y a la Mouka. Ce sont des gens, Moniz, il y a Sidé. Il y a Sidé. Mais c'est là, d'abord, il y a quand il y a parti, il y a contesté que non, il y a parti. Alors, Boni, il y a chacun à débaucher pour combler les vides dans le bureau à CENI. Ce que vous avez dit, madame, possibilité et il y a qu'on revoit Bilo Konyo Souana. Parce que elle a déjà insisté. Il faut consulter pourquoi. Parce que celui de celle à moté, madame, il n'y a pas qu'il y a 2023 et qu'on a la chaos pour les 2018. Ce commissaire qui était un politique, tout ça qu'on lance que non, attention, tout ça a besoin de crédibilité. Parce que l'élection est inclusive. Il faut tout le monde à la carte. Ton moyen élection à une partie, non, ton ligne à moté, madame. Un président de la République, on a tout à négocier le monde. Il était contesté à tous les niveaux. Mais on s'en lie fort. Pour nous protéger, que non, il fallait à tout prix. Au nom de la souveraineté à Congo, et ça la protéger. C'est comme ça qu'il y a retrouvé à Zaleo tout soutenir avec l'élection. Et avant, il y a caché à pouvoir. Madame. Parce que c'est né à l'époque, il y a eu une autre élection, même au niveau constitutionnel. Ce que discours ouana, il n'y a pas de problème. Il ne croit pas que non, c'est quelqu'un de celui le président de Makati. Alors, pourquoi pas il y a conseil exigeant ouana? Donc, c'est très important. On répond à la question de la partie de l'acceptance. S'il vous plaît, madame, les contextes là-bas, il y a des billets à Béto, dans bien dit. Et ça, le même type. Parce que pour l'année, tout en face, c'est un gouvernement qui a dit que non, il y a moyen. Le gouvernement a dit que non, il a mobilisé Mbongo et Bélé. Que non, qu'est-ce qu'il y a l'État et tourné dans le soleil Bélé. Donc, Mbongo est invité pour organiser l'élection dans les délais constitutionnels. Alors, ceux qui Mbongo est invité, Boni, c'est quoi pour évoquer des dispositions? Boni. Parce que le contexte, c'est 2016. Là, le contexte, c'est différent. Ils ont déjà monté. Oh, ils ont une stratégie. Depuis même, il y a une position à Kadiman. C'est parce qu'il y avait une stratégie. Il y a un glissement à tout prix. Oh, les Congolais vont proposer un glissement. On veut les élections. Mais l'élection va être crédible. Mais l'élection, oh, la carte est assainie. Même l'émission passée avec madame. La carte est assainie. On a peut-être besoin de bosser en amour. Kadiman et les autres là. Mais il y a un boumamabé à la carte. On a. Le secrétaire exécutif Toto Mabika, un ancien conseiller à Félix, oh, bah, il a été recruté par CENI. Parce que lui, non, il a été recruté par la soumère. Il a recruté par CENI. Mais dans les fonds, c'est un envoyé spécial. Ce conseil, si je peux vous résumer, vous voulez les élections, mais le bureau n'est pas un problème. L'élection, ils ont des délais constitutionnels. Parce que ceux qui nous savent l'élection, il n'y a pas que le peuple congolais, parce que c'est le peuple qui décide, ce n'est pas à nous. C'est le peuple congolais par rapport à la constitution. On a reformulé la question rapidement. On a besoin de 30 secondes. Le lot, on a octobre, comme on a souk, on a quota déjà novembre, décembre 2023. Ce qui est au commun en 2023, en décembre, et que bureau est changé, était FCC est une élection. Madame, les FCC, ils ont les forces politiques, Yamounene. D'abord, c'est pas ma plateforme, ils ont les mieux organisés et disciplinés. Au moment porté, madame, tu ressens la position de la mission clairement. Mais à ce stade, tout ça, m'a rappelé que non, il faut les dérouler. Opposition et élection. Parce que tout ça, si, il n'a pas de temps pour aller. Mais tout ça, il n'a pas de temps pour aller. Il y a qu'on renouvelle le mandat à chef coutume, on n'a pas besoin de ça. Tu as la configuration actuelle, madame. Nous, on est politique.
Quand on voit la configuration tu as bio et semi, autant les bandimatés y a coup constitutionnel. Comment on a imposé les gens? Parce qu'on voulait à tout prix, il fallait que non, les chefs coutumiers, il faut la renouveler. Très bien, Diego. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut respecter les préalables. Merci beaucoup. Tozana maître Emmanuel Kanza, heureusement que ayen de quoi FDC aya kono katalikambo. Pousana ndeko, ndeko union sacrée malgré qu'on est en retard, un bouteillage na problème ya nini? Ya ville à Kinshasa, ya binomo wa union sacrée kangi mbote mo na mboka. Mbote. J'espère que l'on a interview il y a Martin Fayolo, lobby Eleki, que ce qui est l'élection, ça a été président Félix Tshisekedi d'Arosana pour voir. Bon, je comprends. Et en plus de cela, d'abord, Bolim, si on a pas été spectateur, on a dit chose. Pour le bazar, on a que Moula, il lui a empêché la pignon, sauf qu'on a regardé. On a que Ville, on a mis un Géraki, on a mis qu'il y a un problème. Au but de vos autres, j'irai depuis 4 ans. Oui, et faut nous préciser. Sommes en train d'améliorer le travail. Mais quoi que les outils qu'il y a là, net la construction à ville, ah ouais, des batteries, il y a encore des problèmes. Au moins, on s'est battu pour répondre à cette invitation. Nous sommes là, communicateurs de l'Union Sacrée, nous sommes là pour le pays. Fayoulou, d'abord, sur l'année interview, vous comprendrez que c'est d'abord une personne qui n'a pas maîtrisé la constitution de la République démocratique du Congo. En premier lieu, dans le décortiqué, il dit que si en 2023, il arrive que le président de la République a organisé l'élection, il faut prendre le président du Sénat. Je me demande par quel mécanisme constitutionnel prendre le président du Sénat. Est-ce qu'en regardant la Constitution, quand est-ce que le président du Sénat intervient? Il intervient en cas d'empêchement du président de la République. Est-ce s'il y a glissement, comme lui il pense, parce que c'est ce qu'eux cherchent, le président du Sénat a-t-il la possibilité, bien sûr que oui, de diriger l'État en ce moment? C'est non, c'est une aberration à outrance. Ça fait mal au cœur de voir une personne, en réalité, qui doit représenter l'État congolais, en extérieur, dire des inepties. C'est étonnant. La deuxième des choses, il évoque un délai, je ne sais pas s'il a inventé ça ou, en disant que, ceux qui azalité, le président du Sénat, va repasser 3 mois. Et s'il n'arrive pas, repêcher sous 4 mois. Je me demande si qu'est-ce que lui, il prépare de sa part. Ce qu'a changé le président du Sénat, on l'a battu. Du coup, battu le président, il y a une personne naître. Une personne naître, là, c'est... On comprend. Lui, il a de même mise sur le mouvement citoyen. Là, c'est la chose qui est la plus claire que les gens doivent comprendre. À travers un mouvement citoyen, l'activité sur terrain. Nous avons les informations. Moi-même, j'étais là-bas, dans le mouvement citoyen, et je connais les choses qui se passent là-bas. Alors, tant à jour la personne naître, on a pollué, ce ne sont pas des personnes naîtres. Ce sont des personnes manipulables. Voilà pourquoi aujourd'hui, le peuple congolais a zali déjà la capacité, même na bon moto, à comprendre que Fayoulou n'est pas crédible. Sur le monde, même sur le plan international, Kuna, à qui ça, c'est moi, meeting, n'aïe moi, mouké, soi-disant combattant, il n'est pas digne, il est indigne. C'est tout à fait normal. Parce que Mouto, on a toujours pensé diriger l'État congolais, il faut maîtriser nos textes établis. La première des choses. La deuxième des choses, il faut aller à Mouto, Oyo, à confiance envers le peuple congolais. Pourquoi pas maintenant dire que le président de la République a raison de prononcer ces mots en disant que l'autre opposition est faible? Très bien, merci beaucoup, maître Emmanuel, maître Samuel. Tozozongelayon, découvrons-nous Mimbenga, puisque nous parlons des élections. Pourquoi les lots Tozolobéalkamba n'ont tenu des élections? Est-ce que ça n'a pas signaux forts, les lots qui savent que les lots Oyo Seni, Azali Kobonga, pour nos bonnes élections? Bon, maman Nangaï Naomi, ici, je parle d'abord comme Bruno Mimbenga, parce que ma campagne d'élection Oyo Boué. Là, ça ne marche pas mon parti politique. Quand on est leader politique, Makamboya, État, on ne parle pas du jeu. Parce que j'ai vu le discours de M. Martin Fayou. Il était de jeu. Non. Un homme d'État, acteur politique, parle de nous parce que c'est un problème général qui concerne la nation. Ce qui est la logique, normalement dans un pays, où il y a la carte d'occupation, on ne peut plus parler des élections. Parce qu'on doit se mobiliser comme une seule personne. Il y a qu'on combattre l'ennemi. On doit agresser Mbokanabiso.
Ou à ça pour envier qu'on soit bon mémo richesse nabiso. Donc question est, c'est plus important qu'elle est. Non seulement question est, question de la nation congolaise est en difficulté. Tout le monde veut du Congo. Balingi Congo te po, et ça Congo, mais balingi Congo po, et ça n'a pas mémo na yango. Yango no mona qui d'ailleurs, ah, abonné 19. N'a pas mouvement citoyen, ça le Mumba. Moi aussi j'étais là. Parce qu'en l'oeil à cause là, un des communicateurs de la nouvelle est là, n'a qu'à la mouka. N'a pas peine à structure, n'a pas les amis des brillants mémères Asbel. Et ça, c'est un peu totalement là qui pour le problème de Bounagana. Aujourd'hui, Bounagana, 136 jours. Mais c'est Félix qui a eu plus de 425 voyages. Au lieu de tout le temps, il y a des côté déjà dans le bois. Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut qu'on repousse Batouana. Et après, si on libère les pays dans l'occupation, l'expansionniste, c'est la vision que nous avons mis. Là, maintenant, les Congolais. Donc, les élections, elles ont priorité pour nous. Donc, là, ça n'engage que moi, pour un but qui va devoir déformer. Ça n'engage que nous, parce qu'en dehors d'être un des acteurs politiques, je suis résistant parce que je vois mon pays, ils sont occupés par les Rwandais, les Ougandais, et puis l'Amérique, c'est ma Kamouana. Nous devons d'abord voir. Chasser l'ennemi, et si le pays serait libéré, et bien, là, on pourra maintenant parler des élections. Mais bon, que ça n'a qu'à être occupation, vous nous embrouillez les élections qu'on sort. Mais la 2011, pardon, il y a un mot sur quoi, 2018, il y a une élection, bon, parce que, ma campagne a changé, non. Chaque génération, ça a sa salle, ça a une salle, ça a une. Nous, nous sommes une nouvelle génération. On ne peut pas toujours tout continuer à démêler que non, tellement Kabila. Alors, il y a des gens qui ont voté, et tout à fait sur le même contexte que non, Bounagana. Bounagana est en Congo. Très bien. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis un peu. Je suis contre d'abord, premièrement, que Congo est en occupation, mais on nous fait parler des élections. Ce que nous avons dit, c'est leur bail politique. Élection, ça mérite. Place Nango, et ça l'a respecté en 2023. Tant que nous n'avons pas d'amis. Pour nous résoudre un peu le problème, il y a insécurité à l'Est, le Congo va voter Moutou, à cause de la mesure. Il y a Koto Manzela, il y a Koto Tabasoda, Monsieur Malamu, et que Mandego Samuel Kanz, Batika, vous avez raison que nous avons un bouteille pour le Betty, pour que nous avons mis 4 et 10 matin, nous avons mis une émission avant. Bon, pas de problème. Donc, élection pour permettre, c'est quoi, ok, toqué en 2023, Batali Kakaboué, Batou Nyosu Barosa Simati Lomou, Bazan la Kade, Yalibabi, Yamoka, Kaya Batrette, Batou Nyosu Barosa la Kaya Adolphe Mouzitu, Bazan la Kaya Obo, Bakome Mamoka, Nanzela Malonga, Yaman Ozomona, nous voulons que non. Élection également. Merci. Bon, voyez Bruno Mimbenga. Tant qu'on vote en assemblée provinciale et que nous allons défendre Banakin. Merci beaucoup. Parce que les députés qui sont là-bas, nous allons pour que Maître Lompépé, rapidement, de parler du Cambodge, opportunité. Opportunité. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est opportun de parler élection alors que Bounagana est un mabouka bamouna alors que tu as un problème? Ma pinga na biso bazana front na tango oyo. Est-ce que c'est important ba politique ba lobela élection? Rapidement. S'il vous plaît, madame, d'abord merci. Pourquoi que sa politique ba lobela élection? Parce que bientôt déjà 4 ans et qui t'a politique, les rendez-vous c'est d'abord les élections. Les élections sont le seul moyen pour accéder au pouvoir. Ce que je veux dire, c'est l'élection. Il n'y a pas d'autre moyen pour accéder au pouvoir. C'est à travers les élections. Donc, il faut dire qu'un politicien, la liberté d'opinion là-bas, il va exiger l'élection. Parce que la raison est simple. Je vais me dire ce que Bruno a dit. Bruno a dit aujourd'hui, c'est sa 36e jour. Il y a occupation à Bounagana. Mais si tu donnes le gouvernement, il serait responsable. Normalement, il fallait récupérer Bounagana. Au moment-là, ce que je veux dire, il y a une stratégie. Ce gouvernement en place, il y a d'abord il y a qu'on laisse Bounagana et Zuita et Belé. Et Zuita et Belé, occupation à Bounagana. Après un moment, il va invoquer question, il y a glissement par rapport à la situation à Bounagana. Parce que, étant que la République, qu'il y a un gouvernement responsable, on va être censé protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Quand le pays est attaqué, occupé, la moindre des choses à faire, c'est quoi, madame? C'est récupérer la partie, il y a territoire. Mais tu as là ce qu'on négligence. Je me dis soit. Au bien, on négligence alors s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. C'est qu'on a une idée au oui. Pourquoi? Soit ils ont négligence le gouvernement congolais, soit le gouvernement est défaillant, soit c'est une stratégie mise en place par les régimes. Mais c'est ce qu'il a dit. Paul, à la fin, il y a qu'on a glissement. Parce que bientôt, derrière, on a 5 mois, qu'il poursuit la République, la localité de Bounagana. Ils ont occupé. Et pourtant, à Kinshasa, quel est le discours à Kinshasa, madame? Nous avons tous les moyens possibles. Afin qu'on éradique, nous, c'est la guerre. Mais on va négliger, on va abandonner.
Aujourd'hui, il y a déjà 5 mois passés et que vous voulez maintenant interdire aux politiques. Bah, réfléchis pour l'élection. Non, madame, nous sommes en train de vous dire. Et la question, c'est une question qui est relevée dans la responsabilité du gouvernement. Au plus même sommet à l'État, mais c'est ce qu'est le président de la République. Je me dis 5 mois après, pendant les 5 mois que Bounagana a occupé, lui-même a fait combien de voyages, combien de déplacements, où sont des solutions. Il y a encore le Bible qui non, tous les deux, ils ont priorité, madame. Mais les élections demeurent le seul moyen. Parce que ce qui est l'élection, c'est limité. Il n'y a pas que les peuples congolais. Il y a des problèmes, solutions et mon ami. Non, mais s'il vous plaît, madame, c'est bien sûr, pourquoi pas. Parce que quand on vient dans le pouvoir, il y a l'État, on vient porter des solutions. C'est comme à l'époque, il y a des gens qui se dit. En face, tu sais que moi je connais le passé à Tshisekedi, madame. Nous avons milité à l'époque, dans l'opposition. Mais aujourd'hui, il est dans le pouvoir. Quelle est la recette au Tshisekedi Yenango par rapport au discours de son père, de leur parti politique aujourd'hui, Zani? Et Zalini, je peux t'avoir, il a tous les collaborateurs. Oh, Basala Kina Kabila, ils sont aujourd'hui autour de lui. Ils pensent qu'on soit comme bassin. Parce qu'ils ont bien les passés d'abord. C'est quoi, madame? Le seul moyen à éradiquer cette situation, notre problème s'appelle Tshisekedi Tshilombo. Oh. Parce que c'est par rapport. Écoutez, vision, ils allaient à Malonga, ils ont échoué la vision, leadership, ils ont éclairé. C'est comme ça que non. Ceux qui ont les colonnes déjà, vous mettez à Gopola. Plus de 20 ans, comment est-ce qu'on promet ma est comité? S'il vous plaît, madame, pas plus de 20 ans. À quel moment? Quand il a accédé au pouvoir, c'est parti là, ils ont occupé. Parti à est, à Bounaga, dans la localité, ils ont occupé. Ils ont occupé, tiens. Et c'est là qu'on peut dire. Donc, politicien congolais, au pouvoir, madame. Politicien congolais, à son de la élection, n'a place à l'année de la Bounagana. Madame, question à Bounagana, l'objet, n'a pas répété. C'est la responsabilité du gouvernement congolais. N'a pas sur trois cas. Soit déjà, ils ont faiblé sa gouvernement, gouvernement est irresponsable, soit déjà, c'est une stratégie. Il y a quoi abandonner les partis, il y a un territoire, pendant qu'on a raison pour qu'on politique, obtenir le glissement. C'est la moindre, parce qu'un État est responsable. 5 mois après, vous êtes parvenu à récupérer Bounagana, madame. Vous voulez qu'on dise quoi? Merci beaucoup. Parce qu'il a passé tout le temps sur les voies diplomatiques. Oh, la diplomatie européenne. Et ça, on est là comme on dit. Tu as un dossier de diplomatie. On a Isali, on a Katabasi, on a Bissot. Maître Kanza, rapidement, ce qui est élection et salamité, que prévoit la loi par rapport au président de la République? Parce que, aux autres cabanes de composition, on est sceptique dans l'élection que nous avons organisée. Maman, c'est très clair. Nous tenions à maîtriser, mais peu quoi, et que le président de la République reste en fonction. Et déjà, il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle où il a interprété de manière claire et précise cette disposition constitutionnelle. Donc, toi, il y a une hypothèse où toi, qu'on réfléchit. Je sais que beaucoup de personnes réfléchissent déjà sur les glissements. Alors, tout qui est une hypothèse, on en a noté. Pourquoi? Parce que dans le processus électoral, il y a des documents, il y a des étapes. Il faut ça la mapo et la ça. Ceux qui t'auront qu'une élection ou t'auront qu'une élection. Et ça la gagne, ils arabes texte. Tu auras d'abord une feuille de route, tu auras un calendrier électoral, tu auras une actualisation, un fichier électoral et tant d'autres, même enrôlement. Mais il y a des documents plus clairs. Ils auront une feuille de route. Feuille de route retrace ça de manière détaillée, bah, activité selon le mois. Ou n'a pas panorama de route, déjà okay. Et là sera de tel mois à tel mois il y aura tel processus, de tel mois à tel mois il y aura tel processus. Et ce qui n'a bien là les lots on est tous allés dans le mois d'octobre, tous allés dans le processus aujourd'hui, mais ma biso uniquement ti na identification il y a des lecteurs. Pourquoi? Parce que selon feuille de route ils allaient comme dans le mois de septembre il y a année oh il y a 2022 ti na mois de juin 2023 pour qu'il y ait l'enrôlement des électeurs. Alors ce qui déjà beaucoup président enseigné à Kolobaké na année ou na mois de décembre il y aura bel et bien l'enrôlement. Donc faut comprendre que il y a le respect du texte par rapport à la position électorale. Et de ce fait on ne peut pas déjà réfléchir comme intellectuel ni même comme une personne qui pense travailler pour l'intérêt du peuple congolais en disant qu'il y aura glissement. Non. Parce qu'on a respecté même le texte, la feuille des routes. Mais techniquement parlant, c'est ni Pazolo, Bakemisolezo, il y a Penzan. C'est toujours. Je reviens. C'est toujours dans la feuille des routes. C'est toujours dans la feuille des routes où on voit des activités, où on voit aussi des contraintes. Côté contraintes, on parle de contraintes sécuritaires, financement, partenariat, accompagnement et tant d'autres. Alors, on a vu qu'on a tout, ce qui te moni, ce que moni, Seigneur, non, n'a tel palier aux années comme contrainte, il n'y a pas l'exécution concrète, c'est tout à fait normal. C'est dans ses attributions de demander. Mais si le gouvernement dit que
déjà biso to notifier qui exemple banque et à couper sa mbongo là la, le problème ne revient plus au gouvernement, ça revient maintenant à la CENI d'aller placer au compte la banque Zali pour besoin monsieur. Donc côté wana, je voudrais bien faire comprendre à la communauté qui nous suit que il y a pas un problème de glissement. Par contre, vous avez attendu l'allocution de mon cher ami Bruno Mimenga, il y a le nouvel élan, Makamba. Est-ce pour lui que il dit non. C'est le discours qui yemoka tiango baboké tu bato ko tiango na moni ba tout sous peut même ti abasou région ba dans le élection, les choses éclairent. C'est eux-mêmes qui le disent, c'est pas notre discours, c'est eux-mêmes qui disent que pour eux les élections vraiment ils ont leur côté de on peut s'en passer. C'est eux, ce n'est pas nous. Et en plus ils viennent de le dire na plateau na les téléspectateurs nous suivent, ils peuvent dire. Donc wa les a dit bon mais na option na biso ya union sacrée, nous gardons le cap de respecter la constitution. J'ai attendu mon cher frère Jeannot Lopembe, bon, j'étais étonné, il a dit une chose, il a milité à l'époque avec le président Tshisekedi. Donc s'il a milité avec le président Tshisekedi, il a tout fait pour que M. Kabila, qui lui le soutient, quitte le pouvoir. Je me demande ce qu'a Benganara Kabila, il y a Benganara Kabila. Aujourd'hui, j'ai ça à Benganara Tshisekedi. Ce que l'objet a l'objet Benganara. Voilà de telles personnes, au lieu de réfléchir pour l'État, lui, il réfléchit comment détruire les gens. Parce que Mouta détruira qui hier, Kabila, les lois, ils ont soutenu. Ils n'ont pas bien gagné. C'est que donc, bon, ça l'assure que l'objet peut en avoir. Non. Ah, mais alors pourquoi accompagner encore Kabila aujourd'hui? Parce qu'il a chassé Kabila. Il a milité avec Tshisekedi à l'époque. Il a milité. Ce n'est pas moi. Quand on parle de la négligence, je suis étonné. Pourquoi le président de la République a accédé à pouvoir? Nous connaissons tous que dans l'Est de la République, il y avait toujours des massacres. Mais je vous dis qu'il y avait des groupes rebelles. Au Banda, tu es Zaki Makas. Qu'est-ce qui a conduit à ce qu'il y ait la déclaration de l'état de siège? Rapidement. Et là, on parle de la crise qui est au monde qui va tuer Zaki Makas. De ce fait, il fallait pallier. Quelle est la mesure constitutionnelle qu'on pouvait prendre pour élaguer cette situation? De l'état de siège, il y a qui? De Makamouna, c'est le coquet. Bounaganda occupé. Mais, Bolo Bapé. Biso va tenir surtout parce que dans les médias, tout le monde que dernièrement, quelques semaines passées, tu récupérais quelques villages, ils sont même toujours occupés. Et bah affrontement toujours continué. Les lots et ça dit que même Rwanda, comment peut ça veut clairement que c'est lui qui soutient le M23. Pourquoi? Parce que nous avons attaqué. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Totikali, dans 20 minutes, tout le bien de Kambetali, deuxième sujet, Nabiso. Au Conseil de sécurité, hier, le JSA a Bengi, Rwanda, Tika, Kouakouye, M23. Est-ce qu'une victoire diplomatique, comme on l'a dit, Bruno Mbenga, vous avez 3 minutes. Merci, Maman Langaï. Ndeko, Samuel Kanza, pour détourner Maman Langaï. Quand nous parlons que dans un pays occupé, et les choses en importantes, il faut rebondir ses ennemis. Ennemis dans la libération de Zachi, tu le moment de Zachou, à faciliter l'occupation rwandaise. Ici, je ne parle pas Joseph Kabila. Nous parlons du président de la République quand même. Mais à faciliter l'occupation sur les ennemis. Les questions, c'est moi qui réponds aux questions, au Bobengi n'a répondu. Voilà, je vous en prie. Donc, tant que vous avez dit, et vous qui n'êtes pas dans Bango. Non, c'est le peuple à constater que nous avons une occupation, n'a rien pour faciliter le Rwanda, Kabila, n'a pas Tshisekedi. Moi, je pourrais accepter que si nous avons un botin à mon bain, nous avons un à tous les habitants de la Rwanda, mais pas céder une portion à ma vie à mon bain. Là, je ne pourrais jamais accepter ça. Les M23, l'histoire, il y a M23 au Banda qui existait, il sautait depuis 2012 sous Adolphe Mozutu. Moutoué qu'on ressuscitait, M23, c'est Félix et Tshisekedi. Nabakor, on a vu qu'il n'avait pas gagné des élections en 2018. Akinda pour ça là-bas. D'accord, bon, moi, la première voyage à Félix, voyage à Moussa Kenarana, la Rwanda. Ce qui n'a pas aussi beau vérifier. Félix, premier voyage à Kenarana, Rwanda. À l'époque, Kagame, il fit encore président de l'Union africaine. Alors, à Kenda, signa, et jusqu'à ce que Mboka a dû partir à Mboka. Vous savez, si nous étions dans un pays sérieux, dans l'esprit, nous avons un peuple qui a été en Félix.
Parce que ça, les gens sont arabes, Djalelo, État de l'Est, EAC, Bazoya, M23. Au moment où le gouvernement au Bouézan dans l'Okuta, tantôt ils nous disent ce sont les terroristes, tantôt ils nous disent ce sont un groupe de rebelles. Maintenant, qui peut croire dans Nini? Donc, les gens, l'armée kenyane s'est retirée. Si vous faites ça, va dire qu'on choisifie l'armée d'Abissou. Si vous armez à Kenya, qu'est-ce qu'il va mettre dans sa confesse sur quelle armée? Si on était dans un pays très sérieux, lui-même est Félix devait démissionner. Bon, la défense est matière multipliée par 10, c'est tout là que c'est quand même bien fort. On a mon gouvernement. Maman, on a dit Mbongo est matière. Est-ce que ma soldat, moi, le meilleur n'a pas moins matière? Soldat Zoluka et Lamba Sokoto, Teni, Yakolata. Ce qui est Mbongo est matière, Nanda. Que moi, je suis là, 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 donc aujourd'hui, nous dit que M23, papa Samuel, tu calmes tout le temps. Boutique à instrumentalisation médiatique. Bounaga pour votre formation dans ce bisayo, bah outil, bah M23, bah avancer dans une mouka moussou. Tamungenga. Vérifiez. Nous sommes d'accord que non. Information qui contredit et évolue hier. Nous savons comment ce que le mode opératoire il dépêche, il soit fort dans la carte de chat. Bah avancer nulle part. Au second, et puis, Kakagame avoue que Naï Moutouna soutenait la Rwanda. Quelle est l'importance il y a M. Félix comme président de la République? Et adversaire n'a pas besoin de transmettre. Mais ça avance. Mais vous pensez. Non, Eza Kagame a humilié toute une nation. Qu'est-ce que. L'importance, c'est ni pour Mbobazo continuer à coacher à Bessa Karé Ganaki. C'est ça. Et puis, vous avez vu Félix a été humilié dans Londres. Il a 4 ans d'état. Il a été auditionné. Ah ouais, bon, on a Bessa Karé Ganaki. Abimina Boutet à Chapan Bakoumela. La question de. Le 19, on vous a su la match. Conseil de sécurité, on répond, on a monté ton. Par rapport, il y a ma. Même en Angaï. Nazo y'a malin, mais non, Bakouma, ça a trop baillé, Bakambo, oh Félix. Bon, mais on a une télévision, ça a monté en direct. T'as là sur quoi attitude à M. Félix? Est-ce que attitude, il y a président de la République, il faut mettre sur la Sakalombo, qu'on allait s'agresser? Un président qui a fait plus de 85 voyages. Et puis, ben pour qu'il n'ait rien, nous sommes responsabilités, nous sommes sous que non, facilitateur ma campagne. Au moment, nous avons un grand problème. Na est-ce qu'un bon cannabis on a quoi mettre sur Abril? T'as là niveau Monsieur Félix, ça comme un bon cannabis moulu. Au moins, donc moi je pense que non, diplomatie à Félix, et ça une diplomatie présente au père Monsieur Zobin, au père diplomatie pas Monsieur Mangala. Jolol, le président a pété les balles. Donc a échoué. Donc a échoué. Par rapport à la position des États-Unis d'Amérique, oui, par rapport à ma cannabis on a signé mal ma campagne moulu, c'est quoi Abril? Félix a été sur la police, il a été à jour où on a Tony Blinken, il a discuté à Tony Blinken. Ici, il a dit autre chose. Il est allé dans le roi de la première comme ça. Donc aujourd'hui, ce qui M. Félix a eu conscience, il a en Afrique à cool. Nous devons changer façon à comment. Le gouvernement russe, il a d'accord, il a collaboré dans Bango. Nous devons changer parce que tout le monde va comprendre que non. Aujourd'hui, comme il faut perdre. Petit à petit, contrôle et affaire. Il y a pas de soucis au monde. Si réellement, bah, Américains, Union Européenne, bah, ils ont besoin que nous avons fait trop RDC. Mais bah, tu refournis, bah, Mindouk. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, tout ce qui se passe, les complices, c'est Félix. Très bien. Donc, nous appelons le peuple congolais. Dès que l'on peut rapidement. Pour que l'on, en 2023, à 4 ans, merci beaucoup, Ndeko Lopépé. Nous avons tous fustigé, sinon c'est la communauté internationale, le lot, le Conseil de sécurité, Nations Unies, le JSA à reconnaître, Père Sengi Rwanda, à tirer pour soutenir par groupe rebelle. Est-ce que ça, victoire, topé, message, mon espoir, il y a beaucoup, mais ça même, diplomatie à chef de l'État. Madame, merci beaucoup. Comment sa diplomatie à chef de l'État pour Asalemi? Ah, vous avez diplomatie à chef de l'État pour Asalemi n'a porté mille, madame. Il a porté, ben, s'il vous plaît, puis ça a suffisamment de temps parce qu'on a répondu à la question là, c'est important. C'est vraiment une émission, madame. Je vous en prie. Parce que depuis que l'homme est acquis réunis au Conseil de sécurité, on a suivi la position des États-Unis avec d'autres États. Mais écoutez, message est clair, madame. Je suis parmi les Congolais, oh, bah, d'abord un, deux, six par rapport à ces messages-là. Parce que dans quatre messages, tout ça va être intellectuel.
Je vois qu'à décortiquer rien que le message là, il n'y a nulle part, bah, machinou, nulle part. Récite, il y a diplomatie, il y a négocié ce c'est nulle part. Parce que dans quatre, il y a communiqué, on a, la position est ainsi, madame. Il y a beaucoup de conditions. Un, d'abord, un, sur autant communiqué, on a, les États-Unis, ils ont nié même la souveraineté à Congo. C'est la question à MONUSCO. Donc pour les États-Unis, la MONUSCO a quoi que ce soit. La MONUSCO doit se maintenir. Ça, c'est le premier élément, madame. Deuxième élément, encore la position des États-Unis. Les États-Unis, ils vous demandent, il faut un processus électoral inclusif. Ça veut dire quoi, madame? C'est une pression diplomatique, bon, ça peut arrêter ça. Par rapport à l'élection 2023, il faut un débit émission, qu'il faut un fisque minimum et un consensus pour embarquer tout le monde dans le processus électoral. Et ça, quand la carte est positionnée aux États-Unis. Troisième élément qu'on va trouver, madame, dans la carte est positionnée aux États-Unis. Quand les États-Unis ont demandé qu'il faut une paix sur le plan, sous région, il y a Grand Lac. Madame, mais ça, c'est une imposition, il y a dialogue. États-Unis, il impose au Congo les propos. Oh, Antoine Guterres, à l'Oba Kiangoa, quand Guterres a demandé les dialogues entre les trois pays et dans les centres, les M23, c'est la même chose. Les mêmes propos aux États-Unis, position États-Unis. Mais c'est là qu'ils répétaient. À l'époque, avec le secrétaire, comment ça s'appelle Antoine Blinken, secrétaire d'État américain, à l'Oba Kiangoa, madame. Donc, il n'y a rien de spécial de nouveau par rapport à la position États-Unis. Au contraire, ce qu'on crée encore dans ces communiqués-là, on comprend que non, bah, imposer Congo les voies à dialogue, la voie à dialogue. Quand il fait allusion dans la position de Nairobi, dans les communiqués, on sous-entend que non, les Congo sont obligés, madame. Il y a pour parler à M23. Il n'y a pas des avancées, madame. Il n'y a pas des avancées. Parce que dans tout ça, peut-être pour chuter, nous ne sommes pas une guerre, la guerre à la diplomatie, non. Tout ça, la guerre à la diplomatie. Tout ça, la guerre à l'occupation. La question, c'est quoi? C'est comment faire récupérer notre territoire? C'est ça la question majeure, madame. Les restes, on a. Les commentaires qu'on a dans la situation, de part et d'autre, non. C'est la diplomatie. Le président a reçu, non, madame. Je comprends, ils veulent manipuler l'opinion. Que non, il y a des résistés, mais dans la réalité, il y a au moins 5 éléments nécessaires. Il y a 4 qui ont communiqué, on a. Vous verrez que non, il n'y a aucune résistance à la diplomatie. Merci. Au contraire, Congo est en face d'un État, on a imposé volonté dans 4 qui Congo. C'est très important de comprendre. Il n'y a pas une réussite par rapport à l'Okoa. Merci beaucoup, Maître Ndeko Samuel. Rapidement, Maître, est-ce que le lot aux autres qui ça, aux autres la faiblesse, n'a pas la diplomatie, à chef de l'État, bande de opposition, tomboli en haut, awana mkambetali, bon, est-ce qu'il y a la République démocratique du Congo? Merci, maman. Au moins qu'on ne maîtrise pas le terme autre employé entre autres diplomatie. Entre autres, on a maîtrise sur le droit international. Quand est-ce que, ou quel est le travail que doit faire la personne qui représente l'État congolais face à l'extérieur, et quelles sont les méthodes qu'il faut employer pour faire respecter en réalité la souveraineté nationale, et même qu'au Bimisa, aux Alibes, veut désirata Nabiso sur le plan international. Diplomatie, nous connaissons, c'est une gestion des relations entre les États et tant d'autres. Mais il y a deux éléments qui entrent en jeu dans la diplomatie. Entre autres, il y a le dialogue, il y a la négociation, il y a la promotion et il y a l'information. Pourquoi on dialogue? C'est dans une situation donnée, il peut s'avérer que, problème les alliés, il faut privilégier d'abord les dialogues. Et les dialogues sur le plan international, l'élément, il y a sommet. Et au moins, même dans l'Ukraine, quand il y a un problème, des problèmes, ils ont continué. La Chine même, Azali, côté communiste, Azako a insisté qu'il y ait le dialogue, c'est le dialogue qui peut résoudre la situation. Négociation, ça s'ensuit, c'est le deuxième palier. Promotion, c'est du côté de l'État, ceux qui ont fait promouvoir la potentialité, il y a au moins au président de la République, même sur la COP, sur le plan sécuritaire, la COP 27, au climat, on sentit que la RDC a joué point naïe. C'est ça la diplomatie. Et quand on parle de la diplomatie, c'est ça. Au moins, même le produit environnemental, côté gaz, il a même plaidé pour que le produit soit mata, le prix soit mata. Pourquoi? Parce que nous, on produit plus. Et on est, nous sommes une réserve. Mais sur la diplomatie, on a dit que nous avons 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 dit que
Nous avons informé la communauté internationale sur ces dangers, sur l'agression rwandaise. Il ne faut pas oublier que c'est le Conseil de sécurité, d'après la Charte des Nations Unies, qui a l'obligation, bien sûr que oui, d'attester l'acte d'agression d'un État. Et dans les cas d'espèce, si vous voyez que le Conseil de sécurité s'est réuni, et ce conseil, ce même Conseil de sécurité, se prononce en disant que le M23 et ses alliés, ou même le Rwanda, doit cesser ces actes de violence. Est-ce que là, il n'y a pas la diplomatie, il n'y a pas la promotion de la diplomatie congolaise? Voilà pourquoi je disais, au moins qu'on maîtrise le côté, nous sommes moloba. On a informé le Conseil de sécurité qui, d'après la charte, à se prononcer. Et qui d'ailleurs, c'est les États-Unis d'Amérique, la première puissance mondiale. Il faut féliciter Tshisekedi au moins. Et Salama Wapi, n'importe ni. Bon, tout le monde l'a époque à Mobutu. Mais comment Kabila les pères, Kabila fils, si les lots. Ils ont fait leur part. Nous avons l'obligation de les respecter. Mais au moins, R à Tshisekedi, Oyu. Non, quand même. Merci beaucoup, c'est très important. Donc, il y a vraiment la réussite sur le plan diplomatique. Quand on parle même du respect ou même de la paix du côté régional, de la paix à Grand Lac, c'est tout à fait normal. Tu as vu que la paix à Grand Lac, il y a trop de problèmes, il y a trop de conflits. Et en cela, nous devons agir. Comment nous devons agir? C'est sur base d'éléments au Togo. Mais même pas beaucoup le fait que. Le ZSA a déclaré que guerre et le Naniba, Rwanda va tirer à occuper RDC et avancer bisous Naniba dans Bukaba. Et avancer bisous que communauté internationale et s'est réveillée après avoir que bisous Oyo battu à Congo, on s'est battu pour que Bangoba s'est réveillé et ils se sont prononcés. C'est la chose que bisous dans c'est là. Et ça la même chose bisous dans l'autre. Communauté internationale ils ont battu. Communauté internationale il y a un lobby et lobby même sur deux points. Pour la communauté internationale, on a des acteurs et des sujets de l'Union internationale. Acteurs, pays, et c'est prononcé. Sujet, organisation des Nations Unies, et c'est prononcé. Donc, en réalité, on doit nous-mêmes, Congolais, d'abord, Mambati Sekedite, nous-mêmes, peuple Congolais, se dire, on est maintenant fiers de notre Congo. Fiers, alors que Mnangagwa est toujours occupé. Sur le plan international, madame. Vous avez posé votre question. Oui. Sur le plan international. Sur le plan international, nous avons une autre guerre. Nations Unies, USA, et répondre positivement. Et puis après. Oui. Nous, maintenant, ça nous permet que, si nous voulons déclarer une guerre face au Rwanda, on a des acquis. Merci beaucoup. Tosi ici émission la biso, tosi kali na 1 minute, je sais pas. Ce qui régit au Bakisi la biso 2 minutes na zoba mot de la fin ya ba invité na ngai, je sais pas si c'est accordé. Je veux prendre mes cheveux donc mimbenga. Votre mot de la fin rapidement en 1 minute. Bana mboka bakanga ni. Bana mboka bakanga que Félix a vendu le pays, l'âme du pays, Félix a vendu ça. C'est regrettable d'attendre un avocat dire que non, ils ont réussi pour la biso. Tout ce que les États-Unis disent là, ils ont juste hypocrisie sur le plan international. Parce que les Américains, ceux qui ont été la plupart des sociétés dans l'Est, ils ont des sociétés américaines, il y a des Britanniques, il y a l'Union européenne. Vous croyez réellement que Rwanda a été un peu plus RDC? Je ne crois pas. Donc aujourd'hui, pour la Bango, ça Bango, c'est un mot. N'est-ce que Congo déjà, n'habitez ceux qui sont moins l'endroit où on a mis ça bas, non, superficie à Congo, ils ont 2 millions 300 quelques millions de kilomètres carrés. N'a mis tout le monde dans la zone à Tamoudien, oui, c'est bon, c'est quoi. Diplomatie, la minute, c'est un mot. Donc aujourd'hui, maman, monde, ils ont tourné. Les Américains sont en position de faiblesse. Ils ont perdu le pays Afrique. Alors, pour voir que la diplomatie, à M. Félix, c'est déjà une diplomatie faible. Rwanda a un dialogue plusieurs fois dans Rwanda. La RDC négocie en position de faiblesse. Alors vous, étant qu'une nation, vous avez l'armée. Pourquoi ne pas dire que non, aujourd'hui, nous avons entamé les procédures de dialogue, ça n'a pas marché, nous devons recourir aux armes. Merci donc beaucoup. Aujourd'hui, c'est que les Congolais doivent retenir. 2023, sa élection ou élection, comme on a un mot, Félix et Longola Beton Anzela, peuple congolais, ça arrive. Et Michel, si, merci beaucoup. On décolle au peuple. Mais c'est la cabane américaine. Oh, le voyez. Tu crois que non? Bah, Rwandais, déjà, bah, j'en ai mis sur 5 bien 1. Dans minute, tu vas vendre. Bah, on s'en a mis au dialogue. Pour pas aimer que Ning Bazana, aide de César, va monter. Y'a un monde à Dajo le Bani. Moutoua, la canne, mets-toi, mon ingan, aïe, la master, aïe. Alors, c'est à ma belle. Bah, Rwandais, bah, aimer que tu n'es pas créé désordre dans Estouana.
Ezamboka bangote. Merci beaucoup. Donc état de siège Félix a créé qui Eza état de piège yango zomo na merci. Ma tuerie Eza qu'on continue. Donc pour mais... résoudre le problème il faut combien Félix. Merci beaucoup. Na système na bangote. Maître le peuple rapidement votre mot de la fin. Mot de la fin maman ba Congo ba yebi ki tiseke da échoué. Tiseke da zaki produit oyo ba présenter comme solution na mboka oyo à l'époque. Parce que oyebi ki Kabila zaki victime il y a beaucoup de choses. Et on passait comme ceux qui Félix a continué à pouvoir. Il va porter des solutions. Au contraire, madame. Félix a l'accès derrière ma limite, n'est sur tous les plans. Et peuple congolais, c'est la n'est qu'à l'élection. Rien qu'avec ma. Parce que ceux qui ont l'élection, c'est limité. Je crains que même il propose à Tshisekedi d'avoir côté une opposition. Et bien que ma question, c'est là. Et que ça sera sur le peuple de décider l'avenir de son pays. Et pas nous, les politiques, madame. Voilà ce que moi je peux dire. Merci beaucoup. Je ne suis pas dans les sentiments, oh, fier ou pas. Non. Je sais que dans le pays agressé et qu'il y a un gouvernement irresponsable. Parce qu'au sommet, il y a un problème. C'est comme ça que jusque-là, Bounagan ils ont occupé. Merci beaucoup, maître. Maître Samuel Kanza, Tosi Sinayo, votre mot de la fin. Population retenue en ligne. J'aimerais bien jouer à la théorie du colibri en disant qu'il est très important aujourd'hui. Au même niveau, la français, mais il pays a ah, Najouma Lingala. Voilà. J'aimerais bien que l'élo, Moutouna Moutassa Parnaï. C'est-à-dire, vu que sur le plan international, Bango Basali part na Bango. Oh, tu sais, qui Bango, sur le plan, il y a ba méthode des alliés en jeu pour que Bango va répondre à Bissot. Bissot PA en Congo, A en Akati, FARDC et continuer, Kosala, ma casse pour nous récupérer. Na oh, déjà, Kosala, va continuer. De même, nous devons encore prendre conscience. Parce que si on a la conscience, on ne va pas s'entretuer sur des questions cruciales du pays. À nous aussi de placer l'homme au cœur de notre projet, c'est très important. On ne se dispute en rien. Le pays a besoin de nos intelligences. On est tous intelligents ici. Et pourquoi on veut toujours s'entretuer? Et surtout, alors que Toluka, qui est communauté internationale et lobby, on ne veut pas. Je suis en train de chuter. Je suis en train de chuter. Permettez-moi de chuter. Tolérance, s'il vous plaît. Tolérance, s'il vous plaît. Rapidement. Non, dis-nous l'Union sacrée pour engager le peuple congolais. Rapidement. À nous de nous engager. Là, ça engage que vous passez. Pour servir le peuple congolais. Très bien, l'émission est. L'émission est Sili. Merci. Dolinga Congo, merci à Bandero Bazala Kara. Merci à Ndeko Brino. Merci à Maître Jeannot. Merci à Maître Samuel. Tokutani prochainement. Dolinga Congo, Totonga Congo, Peto Bati l'intégrité territoriale. Nabiso force au FARDC au Bazali. Nabitumba en tout cas. Bon, continuez, bon, bon, canabiso et longo, toko longa. Bon, on va vous la semaine prochaine. Bye.